ou même qui pense au très confortable parce qu'on gagne une résidence ou un green card. Moun sa yo, c'est des sans foi ni loi. Le yo vle débarrasser yo de un groupe moun, yo prêt pour faire tout ça possible et imaginable pour débarrasser yo. Ça veut dire, m'pata reme ou même qui pense au green card. Même ou même qui gagne citizenship qui pote nom américain, qui gagne passeport américain, ou en danger. Parce que depuis des années, yo commencé à débattre idée de ça que les dénaturalisation. Ça veut dire que gon série de groupe moun d'après ça y a dit qui pas supposé gagner naturalisation américaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous toutes qui haïtiens qui nan pays a que ces citizens green card, TPS, visa ou bien parole ou même moun qui rentre comme réfugié, nous nan problème, nous nan danger. So nous pas ta vle ko pran sa n'ap di an à la légère parce que nous toujours di yo docteur Gabo pa jam vin parler avec ou sou bagay yo di, c'est sous des faits. Et tout gros moun qui nan domaine advocacy kap contrôler la politique américaine, yo tout a voye signal de danger ça. Ki bon yo di si nous pas fait rien, si nous té en silence, ça qui rive nous c'est pas nous. Donc moi connais très très souvent nous gonti tendance pour nous rester ou nous calme ou nous parler en politique, nous parler dis docteur Gabo pas un politicien et nous pas besoin politicien non plus. Cependant, nous gon gros danger, nous gon gros épée la mouclée sur tête nous. Et demain si Dieu veut, là nous on commence avec team et passer ti menti ça yo, dit tout ça nous t'en dit a dit yo et puis tout à l'heure pour aller pour mettre l'autre dossier et yo gen pouvoir, yo gen force de yo, si yo veut faire, nous pas pas empêcher. C'est ça fait avant que le trop tard, li important pour nous camper en solidarité. So pendant que nous-mêmes dans Boston, n'a pas n'a demandé ou même qui dans toute l'autre zone yo, Florida ou pas arrêter en silence Florida parce que gen gros responsable sur dos. Georgia ou pas arrêter en silence. Chicago, New York, quel que soit North Carolina, nous pas arrêter en silence. Faut que nous organiser nous pour nous faire des mouvements qui vont que nous mener tout le monde qui zanmi nous, tout le monde capable bataille pour droit nous, pour mettre ensemble pour yo wè que nous pas pitimi sans garde. Ça dit que bagala commence dans Springfield. Jodi a yon vidéo ban mwen nan zone mwen North Carolina ki bo ke gon paquet moun ki pral di a député, sénateur et gouverneur yo ke yo commencé bouquer yo a trop haïtien. Ça veut dire que bagala commencé à marcher un peu partout à travers les États-Unis. Donc si nous rete en silence, si nous pas avancer, si nous pas involve guess what, c'est rete la prêter. Et puis ces gars n'a gardé par camion, il y a voyé nous aller là. Déportation pour haïtiens qui citoyens américains. Oui, vous pas mal entendu. Si c'est haïtien courrier, ou vivre ici aux États-Unis et puis tous ces citoyens américains courrier, si Trump prend pouvoir, on risque déporter dans projet 2025, mais c'est ça même qu'il a mentionné, il peut commencer avec un processus de dénaturalisation que les États-Unis pour j'aime moi, c'est ça qu'a parlé de yo là. Mais cependant bagaille là le plus loin parce que hier Jody Vance était North Carolina. Eh bien, déclaration que monsieur fait. Monsieur fait qu'on est haïtien, yo, qui gagne un statut légal dans le pays, hein, y a déporté, yo. Et la raison qui fait y a déporté, yo, c'est parce que c'est illégalement administration Biden, hein, qui baille mon saillot papier. Pour ça, si c'est haïtien pour y être, pour vivre ici aux États-Unis, quel que soit statut légal qu'on gagne, ou risque. Et ça veut dire, sous ces résidents, qui vivent légalement ici aux États-Unis, ou risque. Si, ou gagne TPS, ou pas la donne même, parce que ça a son statut légal, payé. Si, ou entrer dans le pays dans CDB ou pas la dan même. Si ou entrer dans le programme parole humanitaire Biden ou pas la dan même. Si c'est citoyen américain ou yé, eh bien, ou risquez. Parce que si Trump prend pouvoir, c'est ça qu'il a mentionné, si dit, il peut aller avec